Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Krustich. Aujourd'hui, vidéo partenariat avec mon partenariat chouchou, c'est VIP Krustich. C'est mon 17e partenariat avec eux. Et du coup, j'ai choisi 4 produits. Je vous montre ça de suite. Donc, 2 points de croix et puis on va dire 2 objets. Hein. Voilà, on va commencer par ça. Alors, je vais me mettre en fait au point compté et je voulais m'acheter des crayons qui puissent s'effacer en fait à l'eau. Puisque j'ai 2 toiles de point compté que j'avais acheté sur AliExpress et je voulais essayer donc de m'entraîner. Et j'ai surtout en fait le but est de faire le sale de l'année prochaine de Edith, où c'est une petite maison. Et donc ça avait l'air vraiment super sympa à faire. Je fais du point compté. Donc je me suis dit, moi il me faut de l'aide. Il me faut quelque chose pour que je puisse écrire sur ma toile. Alors, j'ai trouvé cet ensemble de 4 crayons. Alors, celui-là, il est blanc. Sûrement, c'est bien ça pour les toiles de couleur. C'est pas mal. Donc, du blanc, du violet, du rose et du bleu. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Ces stylos étaient au prix de 3,46 $. Donc, c'est effaçable à l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est qui est écrit dessus? Parce que c'est écrit dessus en quelle langue? En anglais. Please try with a piece of wash cloth before use. Je comprends rien en anglais. C'est pas grave, c'est de l'anglais. Je ferai la traduction plus tard. Voilà, donc déjà, donc ces quatre stylos qui vont m'être bien utiles pour faire du point compté, pour que je puisse, moi, justement, faire mes petits bidules. Ensuite, toujours pour le point compté, parce qu'en fait, j'ai des anneaux, j'ai des tambours, mais en bois et j'en ai cassé 2 déjà. Bah ouais, un peu brute la fille, donc je me suis dit, je vais en prendre un en plastique. Donc, un anneau en plastique rose, donc il fait 16,5 cm. Voilà. Si j'arrive, ce serait cool. Ah oui, ça se clipse à l'intérieur apparemment. Comment ça marche ça? D'accord, des rainures à l'intérieur. Donc, il y a une rainure. Ok. Donc, voilà. Comme je vais commencer mon point compté parce que j'ai 2 petits gnomes à faire, du coup, je me suis dit que ce serait quand même bien de faire ça avec un petit tambour. Et voilà, mes tambours en bois, comme je vous explique, hein, c'est un peu la cata. Je les casse hein, au fur et à mesure. Donc, je me suis dit... Je sais pas comment je fais mon compte. Donc, je me suis dit un tambour comme ça. En plastique, je n'aurai pas y avoir de problème. Donc, ce tambour-ci, 16,5 cm de diamètre, était au prix de 2,70 $. Donc, ça, hop, c'est pour le point compté. Et oui, Jackie, c'est mon point compté. On va voir ce que ça va donner. Allez, ensuite, j'ai pris points de croix, j'allais dire 2 DP. 2 points de croix de la même collection. C'est une collection, il y en a plusieurs, hein, collection fleurs. Je vais vous montrer ça de suite, on va prendre un au hasard. Donc c'est Joy Sunday, hein. Vous reconnaissez bien les pochettes Joy Sunday où tout est expliqué derrière au niveau des points, comment faire les points, au niveau du lavage, du repassage, comment séparer des fils, etc. etc. C'est vraiment très bien expliqué. Et voici ce que j'ai pris. Voilà. Une petite maison avec des tulipes, je la trouve vraiment magnifique. C'est du 14 CT, donc de brun, 29 par 34 cm. Elle est vraiment trop belle. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, ça, par contre, c'est du point estampillé, si je ne me trompe pas. Alors, donc, la petite feuille. Vous avez vu un peu le beau soleil qu'on a, là? Alors, il y a un vent, je crois qu'il va souffler à plus de 90 km/h chez nous en Lorraine, aujourd'hui. Alors voici donc la petite le patron donc qui remonte bien l'image qui est juste superbe et voilà je l'ai donc sur un lit pliant comme ça. Regardez-moi ça un peu. Donc vraiment pour les personnes qui veulent faire du point compté, ça c'est le top du top. Hein. Joy Sunday, il n'y a rien à dire, regardez-moi ça un peu. Alors il y a du point arrière, hein. Ça je confirme, la petite maisonnée, les petites tulipes, tout ça, il y a du point arrière. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, ouf, dis donc, mon Dieu, mais c'est pas tout ça. Donc, alors, j'ai en tout 52 couleurs. Waouh, 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 waouh. Pour un truc qui fait
120 points sur 147 points, donc 52 couleurs, c'est énorme. Donc en points normaux, j'ai 50 couleurs. En demi-point, j'ai 6 couleurs. Et en point arrière, il y a également 6 couleurs. Oh, elle est magnifique, hein. Franchement, moi, j'adore, hein. J'adore l'image. J'adore l'image. Juste trop belle. Vraiment très belle. On va regarder un peu les couleurs. Donc, qui dit 50 couleurs, 52 couleurs, dit 2. Ah, on est d'accord. On a deux petits cartons. Alors, ça, c'est les cartons que j'adore parce que, en fait, sur ces cartons-là, vous avez comment dire, le nombre en haut. En haut, le 2, par exemple, c'est le nombre de fils que vous avez besoin. En dessous, par exemple, 951, c'est la DMC et 31, c'est le code. Voilà, c'est le code que vous retrouvez ici. Donc j'ai dit 31, voilà 31, voilà ce sera le W. Voilà, franchement extraordinaire. C'est vraiment trop trop bien, j'adore, c'est parfait. Bon, et vous avez effectivement deux petites aiguilles avec. Donc voici les couleurs très printanières, ces couleurs. On va commencer par là. Voilà, du vert, du jaune, du blanc, du bleu, du noir, hein, 310 forcément. Et là nous avons, je ne sais pas comment vous montrer, c'est un peu compliqué. Voilà. Et ton rose, bleu, vert, c'est vraiment très 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 printanier. Ça fait un peu très. C'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Alors l'autre côté. Hop, nous avons de l'autre côté du violet. Si j'arrive à vous montrer, ce serait cool. Voilà, tout un panel de vert encore. De violet. Très joli. Et ici. L'autre côté, ici, nous avons tout ce qui est un peu orangé. C'est compliqué. Hein. Hop. Ah, je vais y arriver ou pas. Tout ce qui est jaune et orangé. C'est un peu flou. Voilà. Trop belle couleur. Oh, moi, j'adore. Franchement, là, les couleurs sont juste magnifiques. Superbes. Hop. Et cette collection, il y avait plusieurs petites maisonnées. Et du coup, j'en ai pris deux. Alors, je vais vous montrer déjà la toile en elle-même. Voilà. Pas très grande, hein. Donc, elle fait 120 points sur 147 points, cette toile. Plutôt pas mal. Nous avons donc en bas, sur les côtés, sur les deux côtés ici, nous avons toutes les références des fils qui sont mises dessus. Donc, c'est vraiment très, très bien. Nous avons. Regardez, voilà. C'est plutôt pas mal aussi au niveau. Ouais, je pense que c'est bien. Alors, c'est un peu flou. Je suis vraiment désolée. J'arrive pas à faire la netteté dessus. Mais franchement, elle est belle. Voilà, très belle toile. Donc, c'est du partiel. Hein, donc, j'ai pas toute la toile à faire. Ça, c'est vraiment bien. Voilà pour cette première toile. Je vais vous montrer la seconde. Voici donc la deuxième toile. Donc, tout comme la première, hein, Joy Sunday. Donc, on a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, donc c'est tout bien expliqué derrière. Et voici ce que j'ai choisi. Là, ce sont des narcisses. Voilà, on est en plein dans le thème. En fait, là, les tulipes et les narcisses, c'est vraiment l'époque. Hein, on est vraiment dedans. Donc voilà. Donc super petite maison. Donc c'est pas la même maison. Hein. Là, il y a des petites barrières en bois. Elle est vraiment très 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 jolie. Donc 14 CT, 29 par 34 cm. Alors on y va. On va regarder. Comment ça se passe? Donc, voilà. Oh là là. Alors ça, moi j'adore. Mais franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Très très beau. Alors, là, du coup, je l'ai sur une faille, deux feuilles complètes. Vraiment, pour ceux qui font, je dis, oh là, j'ai l'impression que ça, là, ce que je vois, là, le rond, là, c'est du French nut. J'ai l'impression que j'en ai partout. Sympatoche, on va regarder ça ensemble. Mais ouais, voilà, c'est vraiment super bien fait. Donc pas mal de points arrière aussi. Hein. Je pense que j'ai du demi-point aussi. Regardez-moi ça un peu. Ah oui, je pense que dans les barrières, là, c'est du French nut aussi. On va regarder ça. Très joli patron. Très jolie image, j'aime beaucoup. Alors, justement, on y va. Donc,
Là, j'ai 43 couleurs. L'autre, j'en avais 52. Donc, j'ai 42 couleurs en points normaux. J'ai deux couleurs en points arrière. J'ai le fameux French Knot où j'ai deux couleurs. Et j'ai du demi-point où j'en ai 1, 2, 3, 7. 7 couleurs en demi-point. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, hein, les points ronds que j'ai vus, c'était bien le French Knot. Donc ok, ça marche. Donc 120 par 147, et vraiment, elle est vraiment super jolie. Donc on va regarder les fils de suite. Alors très printanier aussi, mais là c'est vraiment plus dans les tons jaunes, jaune et vert. Alors déjà j'ai deux plaquettes. Alors comme tout à l'heure, hein, c'est le genre de plaquettes que moi j'adore. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors ici, nous avons donc dans les tons, alors jaune, vert, ouais, orangé, un peu noir, et là c'est vraiment du vert, du jaune. Très 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 joli, j'aime beaucoup. Un peu d'orangé, et là on a encore du vert. Pas beaucoup de fil, hein, c'est normal, hein, c'est du 14 CT. Du orange, du bleu et du jaune. Franchement, superbe, j'adore ces couleurs. Allez. Hop là, la toile. Donc, la voici, 120 par 147 cm. Ça va, c'est pas trop trop confetti non plus. Alors, je vais mettre un truc derrière pour vous voyez mieux. C'est pas mal du tout. Vraiment correct. Oh, franchement, elle va être canon. Elle va être super belle aussi celle-ci. Je ne sais pas laquelle je vais commencer, tiens, je me pose la question. Donc comme tout à l'heure, hein, vous avez donc tout en bas les légendes, sur les côtés aussi les légendes. Vous avez donc ces Narcisse Hot, l'autre c'était Tulip Hot, et donc il y en a plusieurs. Hein. Je ne sais plus quelle sorte de fleurs il y avait, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Donc voilà pour cet unboxing, pour ces deux points de croix et pour les petits produits que j'ai choisis avec. Alors, j'ai un code promo chez VIP Crostiche qui est Jackie07 et vous avez 7% de remise sur sur votre commande. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce code promo. En fait, lorsque vous le prenez, ça vous fait, on va dire, la livraison gratuite, hein, un peu de choses près. Ou même des fois, vous pouvez, par exemple, commander, vous acheter, je ne sais plus comment c'est en ce moment sur le site, mais en général, vous prenez... 3 ou 4 produits, vous en avez un gratuit, plus le code promo, franchement ça vaut le coup, c'est quand même pas mal. Je vais pas réussir à remettre dans ma petite pochette. Si, 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 si. Voilà. Alors, je vous remontre ce que j'ai choisi. Franchement, c'est superbe. Et puis donc, le petit tambour et les petits crayons. Donc du coup, je vais pas tarder à commencer à faire du point compté maintenant que j'ai tout. Alors, cette commande, je l'avais pas dit, j'avais été contactée le 27 février, ça avait été confirmé aussitôt et on est aujourd'hui le 13 mars, donc ça met comme d'habitude à peu près 15 jours à arriver. Hein. Que vous commandiez ou non, que ce soit en partenariat ou non, ça met à peu près 15 jours chez VIP Crostiche, puisque moi j'ai déjà commandé chez eux. Et ça mettait à peu près le même temps, entre 10 à 15 jours. Donc voilà pour cette vidéo. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Et puis moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.